Je m'appelle Marielle Estève, je suis kinésithérapeute, je travaille pour le centre thermal d'Aix-les-Bains, pour le groupe Valvital, centre dans lequel je suis amenée à dispenser des séances de cardio-méditation, également appelées cohérence cardiaque, et pour lesquelles j'ai un vrai coup de cœur. À savoir que la cohérence cardiaque ouvre énormément de possibles. On en entend énormément parler en ce moment, et c'est vrai que dans l'état actuel des choses, c'est tout à fait le moment de s'y mettre et de pouvoir goûter à tous ces bienfaits. Pour les séances de cohérence cardiaque, il vous faudra dégager un temps d'environ 15 à 20 minutes, vous mettre dans une pièce dans laquelle vous pouvez être tranquille, couper votre téléphone portable. La cohérence cardiaque habituellement se pratique plutôt en position assise, mais vous pouvez également, si vous le souhaitez, la pratiquer en position couchée. Nous allons commencer notre séance. Pour la séance d'aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à mettre le cœur en état de cohérence, puisque la cohérence est un état physiologique pour lequel nous allons utiliser une méthode très simple, à savoir égaliser le temps de l'inspiration et le temps de l'expiration. D'habitude, nous inspirons sur à peu près une seconde et nous expirons sur 2 secondes. Là, nous allons rendre les deux temps équivalents en essayant de les allonger tranquillement. Je vous invite donc à vous installer dans la position qui vous est confortable et à fermer les yeux. Prenez conscience de l'espace dans lequel vous vous trouvez. La pièce, son volume, la hauteur du plafond, le mobilier qui m'entoure. Et puis tranquillement, observez mon environnement sonore, le son de ma voix, le petit fond musical, le bruit de la vie qui continue autour, tranquillement, sans y accrocher mon attention. Puis tranquillement, amenez mon attention sur ma position. Et pour m'y aider, observez les points de contact de mon corps. Sans doute, la plante de mes pieds en appui sur le sol. L'arrière de mes cuisses. Mes fesses, mon bassin déposé. En fonction de ma position, peut-être ma colonne dorsale, mes épaules. L'arrière de ma tête, mes bras, mes coudes, mes mains. Et puis tranquillement, dans ce corps en train de se déposer, amenez mon attention sur mon visage. Et sur mon visage, laissez mes yeux se défroncer. Laissez mes paupières se détendre tranquillement. Si mes yeux se relâchaient à l'arrière de mes paupières closes, laissez mes mâchoires se desserrer, mes joues se détendre, ma langue prendre toute la place à l'intérieur de ma bouche détendue. Et puis tranquillement, dans ce corps en train de se détendre, de se poser, amenez mon attention sur ma respiration. Juste l'observer, sans rien changer, sans rien modifier, juste écouter ma propre respiration. Ressentir l'inspiration en moi, sentir le passage de l'air depuis mes narines jusque dans mes poumons. Tranquillement, ressentir le passage de l'air qui sort depuis mes poumons jusque vers l'extérieur. Ressentir l'épaisseur de l'air, sa texture, peut-être son odeur. Ressentir que l'air qui rentre est un peu plus frais. Que l'air qui ressort est un peu plus chaud. Tranquille.
Et dans ce corps en train de se poser, dans cette respiration en train de se calmer, tranquillement, comptez le temps que dure mon inspiration. Comptez le temps que l'air prend pour rentrer à l'intérieur de mes poumons. Je peux compter des temps pleins, 1, 2, mais je peux également compter des demi-temps. Si j'inspire et que je n'ai pas le temps d'aller jusqu'à 2, je compte un demi. Sans rien changer, tranquille, tranquille. Puis de la même manière, comptez le temps que dure mon expiration. Comptez le temps que prend l'air pour ressortir. J'écoute ma respiration. J'y suis juste attentif, attentive, sans rien changer. Tranquillement, du mieux que je peux, je vais rendre les deux temps d'inspiration et d'expiration égaux. Je peux, si je le souhaite, choisir le temps le plus long de l'expiration. Et je compte à l'intérieur de moi. J'inspire. 1, 2. J'expire. 1, 2. J'inspire. 1, 2. J'expire. 1, 2. Tranquillement. Avec mes possibles de l'instant. Avec beaucoup de douceur et de bienveillance pour moi-même. Je prends le temps de respirer. Et ma respiration devient calme, tranquille, confortable, agréable. Et dans cette respiration maintenant posée, tranquille, je vais essayer d'allonger d'un temps ou d'un demi-temps. Si j'étais à 2, j'essaye d'aller à 3. À 3, j'essaye d'aller à 4. Tranquille. Si c'est inconfortable d'avoir allongé d'un temps, je reviens en arrière. L'important, c'est que ma respiration soit calme, posée, confortable. Je compte l'inspiration. Je compte l'expiration. Dans cette respiration calme et confortable, je vais maintenant basculer mon attention dans le centre de ma poitrine, dans mon cœur. Imaginez que c'est mon cœur qui respire. Mon cœur inspire. Mon cœur expire tranquillement, du mieux que je peux. Avec beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance pour moi-même, tranquille. Je respire à travers mon cœur. Mon cœur inspire, mon cœur expire. Tranquillement, régulièrement, je respire à travers mon cœur. Ma respiration est calme, posée.
ce cœur qui respire, dans cette respiration tranquille, posée. Je vais observer à l'intérieur de moi ce que mon cœur et ce que mon corps ressent. Je vais observer en moi toutes les petites modifications, toutes les sensations, peut-être même les images qui me viennent. J'écoute et j'observe. Les sensations liées au passage à l'état de cohérence cardiaque. Mon cœur, à présent en état de cohérence, me signale son état par une sensation à l'intérieur de moi, sans doute une sensation agréable. Peut-être une douce chaleur, sensation de paix intérieure, de profonde sérénité, de bien-être. Et je respire toujours à travers mon cœur et dans mon cœur. Et à chacune de mes expirations, ce sentiment de confort, de bien-être se répand en moi. À chacune de mes expirations, cette sensation agréable se diffuse depuis mon cœur jusqu'à chacune de mes cellules, tranquillement. Tout en laissant ce message de calme, de bien-être profond, continuer à circuler à travers moi. Je ramène mon attention dans mon cœur qui respire, dans mon cœur vivant. Dans mon cœur qui possède son propre langage. Et je laisse mon corps revenir à une respiration plus spontanée, plus naturelle, tout en laissant ce message de bien-être se diffuser à l'intérieur de moi, tranquille. Je laisse ma respiration revenir à un rythme qui lui soit plus spontané, plus naturel. J'arrête de compter. Et dans quelques minutes, lorsque je sortirai de la séance, je ramènerai avec moi toutes les sensations, toutes les impressions positives vécues dans cette séance. En gardant le calme en moi, la tranquillité, la paix, la détente. Je ramène mon attention sur mon corps, sur les sensations qu'il peut avoir, les points d'appui, tranquillement, prenant le temps qu'il m'est nécessaire. Tranquillement, je ramène mon attention sur mon environnement sonore, sur le son de ma voix, sur le bruit de la vie qui continue autour de moi, tranquille. Je ramène mon attention dans la pièce
dans laquelle je me trouve, prenant le temps qu'il m'est nécessaire. Tranquillement, lorsque je me sentirai prêt, prête, je reviendrai complètement dans l'ici et maintenant, en ramenant avec moi, dans mon cœur et dans mon corps, tout ce que j'ai vécu comme positif pendant cet instant. Quand je me sentirai prêt, prête, alors je pourrai ouvrir mes yeux.